j'ai la conviction que la coopération, c'est vraiment un axe mobilisateur pour le Conseil de développement, donc société civile. Le contact direct, les échanges de cartes de visite notamment, ça apporte un plus par rapport aux échanges internet, web, etc., institutionnels. C'est toujours bien de pouvoir témoigner d'un vécu de projet, en fait, sur un aspect très pratique, sur la main en sassement, le temps que ça prend, les freins, et aussi les choses un peu insoupçonnées qu'on ne peut pas anticiper quand on monte un projet. C'est important d'être là parce que ça permet de rencontrer des gens très différents, mais avec tous une préoccupation de travailler pour le territoire. Donc ça donne différents regards, différents angles. C'est vrai que ce temps où tous les territoires se rencontrent au niveau de la grande région de la Nouvelle-Aquitaine leur permet d'échanger entre les GAL, des territoires qui ont plus d'expérience, qui ont moins d'expérience, permet de se rassurer un petit peu entre eux et d'envisager des projets de coopération. Il y a eu des échanges très concrets sur des problématiques qu'on rencontre tous, ou d'autres à l'inverse qui sont très innovantes. Donc du coup, ça a été vraiment... je ne regrette pas d'être venue.